très chers amis des signes du cancer, bienvenue, j'espère que vous allez bien et bon anniversaire pour ceux en qui, ben voilà, pour qui c'est encore leur anniversaire tout simplement. Voilà, j'espère que ce mois de juillet se passe bien au moment où je fais cette vidéo, c'est le mois de juillet. Voilà, donc c'est un tirage, je le rappelle, qui est général pour le mois d'août. Petit focus pour juillet que j'avais fait pour les signes du cancer. Qui consistait, alors il y a une voiture qui va s'arrêter à côté, qui consistait le message inspiré pour juillet, c'était de sortir de son petit moi-je et d'oser se libérer de la perfection, voilà, en lien avec toutes les blessures de l'enfance, les blessures, les retenues, les peurs, les critiques, les jugements, blablabla, bla bla. Voilà. Donc j'espère que pour ce mois de juillet, ben, des choses ont bougé pour vous. Je vous invite à faire le, voilà, juste la petite synthèse, voir qu'est-ce qu'il y a eu comme opportunité, quels ont pu être les moments où vous avez tout simplement osé lâcher prise, vous libérer, être vous-même. Et les moments où ça a été peut-être plus difficile. Voilà, juste simplement pour voir un petit peu comment ça fonctionne et comment se comporte, quoi. Voilà. Donc ben c'est parti, on va y aller avec l'oracle G pour le mois d'août. On va voir un petit peu quels sont les messages généraux. Donc je vais d'abord faire une coupe, on va demander un message général s'il vous plaît. Ok. Alors, à la coupe, qui nous annonce l'ambiance générale ici, on a le serpent et on a l'été, l'éclosion, quelque chose qui est en train de maturer. De quoi ça me parle avec le serpent? Ça me parle de l'énergie créatrice que vous mettez au service de vos accomplissements dans votre vie, qui vous permettent de créer des choses florissantes bah, dans votre quotidien, dans le relationnel, dans vous, votre état d'être, comment est-ce que vous avez envie de vous sentir. Et si vous choisissez de nourrir plutôt des peurs ou des doutes, des colères ou des incertitudes, ou au contraire si vous avez plutôt envie de nourrir plus de positivité, plus de mieux-être en fait, tout simplement, sans forcément se mentir à soi-même, c'est pas ça, mais c'est juste de réorienter son énergie en fonction de là où on veut, comment je peux dire, là où on veut orienter finalement nos choix décisionnels en fait. Mais ça m'a... Alors on continue à la maison parce que j'avais plus de batterie. Pour donc, avec les portes de l'intuition, les derniers messages complémentaires du tirage. S'il vous plaît, pour les signes du cancer, sans vous casser, messages complémentaires pour le mois d'août. Por favor. Alors on en a deux qui sont sortis, on a la manipulation et la perle, qui dit maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc vous voyez ici, on est dans une... On sort de l'auto-sabotage, d'accord? On est conscient, on prend de la hauteur sur les pensées qui nous manipulent et nous orientent vers le négatif. Et quand on est attentif, vigilant à ces mécanismes-là, on arrive à les orienter d'une autre manière. Et on ne se laisse plus manipuler ni dompter par ses peurs ou ses croyances parasites. Donc c'est vraiment le clin d'œil. Et on a la perle qui nous dit « Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. » Magnifique. Ici, c'est vraiment le cadeau. C'est-à-dire qu'à chaque instant de notre vie, tout ce que nous avons, nous vivons, quand je dis nous avons, c'est pas de posséder les choses, mais simplement de reconnaître la chance que nous avons d'être en pleine santé, par exemple, pour ceux qui ont cette chance, d'avoir un toit, des amis, des gens qu'on aime, des gens qui nous aiment, de quoi manger, de quoi se vêtir, et en plus de profiter des choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir, d'avoir une activité dans laquelle on se sente épanoui.
voilà, d'être dans une activité qui nous fait du bien. Ça peut être tout ça. Voilà, de reconnaître les cadeaux et se réjouir de ce qui est déjà là. Ça permet de garder les vibrations de gratitude et de reconnaissance pour ce que nous avons dans la vie. Et plus on est reconnaissant pour tout ça, et plus dans notre vie, bah, les choses se manifestent de façon exponentielle dans notre vie. À l'inverse, quand les pensées négatives se manifestent et qu'on a peur de manquer, que l'on s'illusionne quelque part de se dire « Oh là, il faut à tout prix faire ça » ou « Il faut à tout prix être comme ça », etc., etc. Ici, on est dompté par une peur, encore une fois, une croyance limitante. Et là, l'invitation, c'est vraiment d'être vigilant à ces croyances négatives qui nous empoisonnent la vie. Parce que, en fait, là, vous êtes « on est », je dis « on » parce que je m'inclus dedans là, on s'investit, en fait, dans cette réparation de l'enfance, cette réparation de ce qu'on a pu croire ou acquiescer pendant notre parcours de vie. Et à présent, on est en train de reconnaître les cadeaux, les bienfaits, les bénéfices de chaque expérience de notre vie. La perle. Parce que chaque chose est nécessaire, chaque chose est juste pour le plus grand bien de chaque individu à un moment clé. Et reconnaître ça, c'est un cadeau en fait. Même quand on tombe avec une personne qui nous a fait souffrir, même quand on vit des trucs, on se dit « mais ce serait bien passé de vivre ça ». Ici, c'est la perle. Il nous parle d'un enrichissement, en fait. C'est vraiment pour le déploiement et le... Comment je peux dire ? L'enrichissement de votre âme, mais aussi votre capacité à vous réconcilier avec votre ego, cette partie qui a pu être blessée, mais de manifester, de créer des choses nouvelles qui apportent cette aide à cette réparation du passé. Il peut y avoir aussi ça. Donc si ça parle dans le relationnel, si vous accueillez une nouvelle personne, si ça peut être plein de choses. Mais en fait, ça ne parle de témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez à chaque instant et de lâcher prise. Enfin, de lâcher prise, d'être confiant. Parce que tout est juste et chaque chose en son temps. On va voir avec l'oracle des anges gardiens. Un message complémentaire. On a l'unité. L'unité. Quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ce que nous aimons spirituellement ne nous quitte jamais. Toute création est éternelle. Rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Magnifique. Ça me parle ici de cette capacité à vous relier au divin, en fait, à la source, à Dieu, à, je ne sais pas comment vous préférez l'appeler, à votre âme, voilà. Peut-être aussi pour certaines personnes, ça va parler d'un proche, d'un parent ou d'un ami qui est peut-être décédé, qui est de l'autre côté. Ici, c'est comme si on nous disait qu'un message d'amour est toujours présent. Si on s'y relie, on arrive à y trouver de la paix, de la sérénité. Et donc, nous savons que nous sommes déjà aimés. Et donc, nous n'avons plus peur. Et donc, nous ne sommes plus manipulables. Et donc, nous savons reconnaître les bienfaits de l'existence et les cadeaux de chaque instant. Parce que le Père est là en toute chose, la Mère est là en toute chose. Quand je dis le Père, la Mère, c'est le Père céleste, la mère terrestre, c'est le ciel, la terre, c'est l'énergie christique, l'énergie de Marie aussi, c'est toutes ces énergies-là. L'unité,
Et sous le paquet, on a l'éternité. Je vais vous la lire. Ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant pour toujours. Tu es par nature une étoile étincelante, se transformant en la plus belle lumière pour toujours. Magnifique. C'est un message vraiment de paix, de reliance, de sérénité. D'être conscient en voyant au-delà du voile illusoire qui opacifie hein, ces croyances-là que l'on prend comme vérité. Finalement, le message ici, c'est vous êtes encore plus grand que ce que vous n'imaginez. Tout simplement. Sans forcément faire des... Voilà, c'est juste pour remettre les choses à leur place, tout simplement. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura accompagné pour ce mois d'août. Passez un très bel été. Je vous invite à liker la vidéo si cette vidéo vous a plu, à la partager s'il y a des gens de votre entourage à qui vous pensez qu'elle puisse aider. Ou voilà. Je vous invite à vous abonner si vous souhaitez recevoir les tirages mensuels que je propose et les thèmes astrales lors des nouvelles lunes et des pleines lunes aussi. Et voilà, et je vous remercie infiniment pour tous vos dons, vos partages, vos commentaires, voilà, pour tout. Merci, tout simplement, parce que c'est aussi ce qui fait vivre et qui donne voilà, tout ce noyau existant de cette chaîne qui a commencé depuis donc, février 2019. Tout va bien. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur, passez un très bel été, et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.